connecté sur la fréquence un duo Bienvenue Retrouvez un joueur et un maître du jeu. Que demander de plus pour vivre des aventures Aujourd'hui, nous nous lançons dans une nouvelle saison grâce au studio Agathe et le monde Deanna pour Donjons et Dragons 5 ème édition. Rejoignez-nous et venez découvrir la Cité Franche, un des joyaux de ce monde. Mais des tourments l'assaillent et un simple apprenti magicien, même pas éveillé à la magie, va se retrouver et contribuer sans s'en douter au plus grand chamboulement depuis la naissance du dieu Tamerak. Nous retrouvons Arthur dit le Fossoyeur qui assiste à une vente aux enchères dans le quartier d'Assoif de la cité franche pour y acquérir de prometteuses gemmes d'agate. Des trésors d'Ehana y sont aussi mis en vente. Donc euh, après donc, il revient en quelques no un petit coffre euh, donc euh, plus petit que les autres, euh, très ouvragé aussi. Et donc là il dit et enfin le clou que vous attendez tous ce merveilleux lot et je n'ai pas envie de faire euh, des fifrelins à dispatcher. C'est un lot Hein vous prenez le lot, il est magnifique, il est merveilleux. Et là, il sort différents, différentes pierres qu'il pose sur un petit coussin qu'il y a. Il y a plusieurs euh, types de gemmes. Et euh, donc, il, il est liste. Donc, il y a une gemme d'onyx. Il y a une gemme de flore. voyez, ouais, il y a une merveilleuse gemme de rubis. Et puis, bien sûr, le clou que vous avez tous. c'est deux gemmes. Ces deux merveilleuses pierres d'agate. Et en fait, déjà, visuellement, les autres, elles, font, elles sont toutes euh, petites, mais... Euh, il n'y a aucune pierre qui est taillée mais euh, elles sont elles tiennent dans la pomme de la main quoi elles sont assez grosses mais de la pomme de la main, par contre les deux les deux euh, j'aime comme la gatte ça ressemble ouais, les deux agates ça ressemble comme comme une grosse orange comme mon point quoi tu vois ah c'est ouais, ouais, bah gros ouais donc là tu vois aussi que Kev elle est très intéressée je me retourne vers elle je dis c'est ça les objets de votre tribu il me dis pas que c'est ça euh, non mais je les ai vus, tu une mais par contre, la gemme de flore m'intéresserait fortement. Oui, mais vous avez un prêtre de flore dans l'assemblée, à mon avis, il lui aussi, il va être intéressé. Donc, la mise en chaire, elle commence à peu près à 500 pièces d'or. Ok. Puis ça augmente. Est-ce que tu seras enrichi, ou pas Je vais attendre que ça arrive à 1000 pièces d'or avant de faire ma première mise. Et je regarde exactement qui est en et j'essaye de voir leur niveau de confort parce qu'ils doivent tous avoir un certain budget euh, bien évidemment et 1000 pièces d'or c'est mmh. déjà beaucoup d'argent donc j'essaye de voir lesquels euh, lesquels ont l'air assez sereins d'être à 1000 pièces d'or et lesquels ont l'air tu sais physiquement nerveux euh, pour ça et de mon côté j'essaye de, rest de rester aussi calme que possible c'est une performance où tu seras calme ou pas à 1000 <laughs> euh, non, non, je, c'est la moitié de mon budget, donc, euh, je, <laughs> large. je mais je montre pas l'aisance, mais je suis pas forcément aux abois. Et j'essaye de me contrôler, okay. en fait. J'essaye d'analyser cette dynamique-là entre les différents. Et à mon avis, il va pas y avoir 25 personnes qui doivent donner autant d'argent. Donc, j'essaye d'analyser je chacun d'entre eux et voir quelle est leur limite et essayer d'enchérir au bon moment pour, pour les mettre en difficulté. Donc, j'attends au moins qu'il y ait un 1000 pièces d'or avant de faire ma première enchère. OK. Donc euh Piazor arrive, tu vas me faire un petit jet donc de d'insight. Okay. Difficulté 15. Ouh, 15 plus 3 18. Yes. Parfait. Donc il reste il y a, a priori il y a plus que 4 euh, en te comptant toi. Donc il y a trois personnes plus toi qui euh, qui enchérissent. Tu vois que sur ces 3, effectivement, il y en a 2. enfin il y en a une qui a pas l'air sereine et il y en a deux qui ont l'air sereines. Alors, pas richement vêtue dans le sens euh, ils en jettent mais effectivement la qualité des vêtements sur lesquels ils sont et l'épaisseur ils sont ils sont pas en tenue légère de touristes même s'ils sont riches tu vois que c'est des, des tenues travaillées et euh, d'excellentes de, de, factures t'es pas sûr que les deux qui ont l'air serein ce soit les, euh, les acheteurs même ça, ça pourrait être des, des brokers des, euh, des intermédiaires oui mmh, ouais. Donc, il y a un qui a pas l'air serein, et lui, il avait l'air d'être clairement, tu, ça ressentait plutôt vraiment l'acheteur pour lui-même, parce qu'il est riche et tout ça, mais pas aussi euh, apprêté que les deux autres. Les deux autres, euh, extrêmement luxueux, enfin, les vêtements ont vraiment d'excellente facture, mais ils, ils, ils stressent pas, et en même temps, les vêtements, ils ont pas l'air de montrer, ouais, c est, c est, c est un, un côté neutre quand même. Ok. Mais ce serait pas étonnant Donc, que ce elle... soit les intermédiaires qui viennent acheter pour des gens très riches aussi, qui sont plus connectés que d'autres. Mm. Je me retourne vers K, je fais. Cave, est-ce qu'un marché vous tenterait Si vous trouvez un moyen de faire en sorte que les deux imbéciles là-bas, ils ne puissent pas miser au-dessus de moi, au-dessus de 1500, et que je remporte euh, le lot, je vous donne la pierre de flore. Euh, D'accord, je, je... Et à ce moment-là, je renchéris parce que y a réfléchir. probablement quelqu'un qui vient oui, de renchérir. C'est clair, absolument. mais tu sais, t as, t as capté la... quand t'as mis 1000 alors que t'avais rien fait avant, tu as, la... as, as, as quand même capté l'attention J'ai déjà fait deux fois euh, pour deux objets, hein, donc... Euh... Oui, mais sur celui-là, tu avais rien fait jusqu'à 1000, quoi. Ouais. Donc, euh, en tout cas, les autres personnes qui enchérissent aussi, tu vas forcément capté leur attention, quoi. Donc, euh, euh, donc tu tu surenchéris, ou on, on arrive à 1500. Mm -hmm. Et donc, est-ce que Cave, elle fait quelque chose, ou est-ce qu'elle est, qu est descendue de l'estrade pour aller vers vers les gens, est-ce qu'elle fait quelque chose ou qu'elle a pas bougé et... euh, bah, ça, ça va assez vite entre guillemets. Euh, le truc, euh, que, tu vois qu'elle a l'air de réfléchir. Donc 1500. Ben, 1500, je dis 1500. Qu'est-ce que je peux faire ah ben, Débrouillez-vous, il hein faut, être... faut avoir de la ressource dans la vie. Mais dépêchez-vous là. Euh... Dépêchez Donc euh, ça, ça monte à 1700. Il n'y ben, a, a plus que les deux enchérisseurs et, euh, et toi quoi. Et les deux, ils sont ensemble ils, Non, ils sont répartis dans la... Ça, ça, ça veut dire qu'en fait, ils s'enchérissent l'un sur l'autre. Oui. Ah, C'est pas bon ça. Euh, donc, euh, ben donc 1000, euh, on en est à 1700. Euh, ben je dis 1750, ouais, tout à fait. Ok. Euh, donc ça, 1800 euh, 1830. Donc tu vois qu'il y, y a plus, vous êtes plus que deux. Euh, il y en a un qui a, qui a arrêté à 1800, il n'a pas, pas remonté, donc c'est à 1900. 2000. Il y a Sim qui fait. 1-2-3. Allez, trois, monsieur, c'était fort <laughs> Voilà, il fait 1-3, bah ça me suit alors Et à ce moment-là, de perception. à ce moment-là. Moment J'ai fait 14 plus 3, 17. Ok. Donc as... Donc au moment où il a dit ça et que c'était tout bon. Il y a des... Il y a une des... sorte de de petits pots en faïence qui, qui sont passés par les, les trucs et ça... Il y a une sorte de fumigène qui s'est et en fait, il y a une sorte de feu qui commence à prendre sur les, les coins de la, de la tente et en faire initiative. Ah non, d'accord. <laughs> C'est ma spécialité. Ouh là, mais je fais que des dangers. Euh, 18 plus 2, 20. Tantadam c'était super motivant en même temps, vu tout ton argent et tout le truc là, c'était le moment où jamais quoi. Je suis à fond. Donc, alors 20. Elle, elle a bien joué parce qu'elle a fait 19, elle, mais c'est pas suffisant. Ah, c'est elle euh... qui a fait euh, tout de la tour Oh là. baraque Tu as dû faire quelque chose pour détourner. <laughs> ah, ouais, ouais, c'était trop tard, c'est moi qui l'ai gagné là déjà, mais c'est pas mal. <laughs> non, c'est pas elle. La <laughs> euh... euh... très, très c'est moi qui l'ai amené jusqu'ici, Kratos. Ouais. Ok, donc euh, c'est toi qui as agi en premier. Donc effectivement, tu as eu le temps de voir avec ta perception et tout ça qu'il y a les euh... gratos, elle a... <laughs> elle a payé une pièce d'argent. Elle... Non, non, mais... Donc en tout cas, euh... oui, donc tu as vu ces trucs-là qui sont faits, et de suite ça fait pfff, une sorte de, 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 fumi... de fumigène qui se fait, ce qui fait que là, à ce tour-là, il n'y aura pas de malus. Au deuxième truc, toute l'action qui nécessite de voir, ça se fera avec un désavantage. Et effectivement, aussi tu as perçu qu'il y avait des sortes de flamèche qui commençait à apparaître sur les côtés. quoi. Donc, autant dire que ça va être la panique. Ça va être la panique. Qu'est-ce que tu fais Ah, ben, euh, je saute de mon siège en direction du... des pierres, quoi. Elles sont à moi. <laughs> si je peux descendre en courant pour aller jusqu'au jusqu comptoir pour, euh, pour attraper les pierres, et, et, et je vais quand même donner l'argent. Le but, c'est pas les voler, hein. c'est les sécuriser. Euh, c'est exactement oui. ce que je vais faire, ouais. Euh, donc là, c'est quand même un peu de l'acrobatie ça, non Parce que c'est. Plutôt. Ouais. ouais. Athlétisme Ou... Non, que tu veux, peu importe. De toute façon, je ne suis pas compétent dans aucun des deux, donc. Euh... Bah, tu... ça dépend quand tu le fais, Est ce que tu y fais en essayant de. Plutôt de, de l'athlétisme, parce que j'essaye pas de faire des méga supérieurs d'un mort qui voilà. j'essaye juste de. Ok. Bah, ça dépend s'il y a du monde et que. Eh ah, ben, bah, il y a du monde pour l'instant, hein. c'est le premier tour, donc c'est. c'est. Bah, alors peut-être. Ouais, alors en faisant de l'acrobatie, euh, mais c'est juste pour éviter les gens qui me bousculent, etc., etc. Ouais, donc, ok. Fait. Donc c'est faire, donc 15, la difficulté là. Ah ben 15, ça fait pas. Ben non, je suis à 12. Je sais pas combien aussi donc. Euh... Donc je je, je mélance quand même. Hein. Je ne ouais, sais tu pas comment si je vais sur fait, place ouais, es mais. Es gêné ou des gens qui sont sur le truc. En plus ils doivent commencer à se lever tout ça donc. Euh... Et je... n'oublie pas que j'ai été l'inventeur d'un d'un masque qui empêchait qui empêchait la maladie de mmh. De, de se propager, donc, ouais. je, je me mets quelque chose sur le visage parce que je, je connais le truc, histoire de pas de moins, moins être affecté par, euh, par les fumées. Ça, justement, ce c'est mmh. mon domaine, je m'y connais. Tout à fait, ouais. Et donc, je descends au, au maximum. Euh, ok. Et donc, de, il de, faudra de, deux, deux tours pour, pour y arriver. Que là, tu vas arriver à mi-parcours et encore un tour pour être sur, sur ouais. le truc, quoi. Donc, Cave, elle, elle joue juste après toi, donc elle s'est levée aussi. Et le seul truc elle dit, c'est pas moi qui ai fait ça, j'ai, pas été tourné euh... et elle, elle, aussi, elle descend vers le, vers le, truc, par contre, elle va faire en athlétisme, donc, euh... elle va bousculer tout le monde. Euh, ouf, 18, c'est bon. Donc elle passe, donc tu vois qu'elle, malgré tout, elle se faufile, et elle, elle descend, euh... donc elle, elle est déjà en bas, quoi. Elle est en bas, quoi. À ce tour-là, elle est en bas. D'ailleurs, à ce tour, elle, bas. À ce tour elle fait, bah, j'ai l'air de regarder, de te regarder, mais qui, alors. alors? C'est <laughs> Euh, donc il euh, y a deux gars qui qui arrivent par les portes par où passer euh, Sim. Donc Sim il est au milieu, il est il est un peu figé là et il y a deux gars qui habillés en tenue classique de de malandrin là, hein, on va dire. Donc avec des épées courtes euh, qui qui sautent sur l'estrade et qui qui arrivent sur sur Sim et après tu as les deux euh, les deux gardes de la de la porte d'entrée entre guillemets si on peut appeler ça comme ça quoi. Qui en disant le feu, il faut pas que le feu se propage! Allez vite aux citernes, cherchez l'eau, le feu, le feu! Et eux, ils sont focalisés sur le feu. Donc en cru, ils servent à rien, quoi. <laughs> ah, ce, ce, pour l'instant, ce tour-là, non, c'est sûr. Donc, quid, quid, quidro d'autre. Donc, nouveau round à toi. Alors, ces deux personnes qui sont arrivées, ils sont arrivés pour. Euh, est-ce qu'ils sont arrivés pour garder ou est-ce qu'ils sont arrivés pour voler? Non, ou non, clairement, t'as as, as repéré qu'ils viennent pour, euh, pour voler. Pas de doute là-dessus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon mouvement pour arriver sur place. Mmh. Tu vas me refaire un jet d'athlétisme euh, ou d'acrobatie que tu faisais pour essayer de descendre. Euh... Et eux, ils vont s'attaquer à Sin euh, Prospers. Ouais. Euh, ça fait 8 et 2... Acrobatie, j'ai 2... 10. Donc tu n'y arrives pas non plus. Donc ça t es gêné par tout le monde, ça. Donc bon, tu ne te de tu pas, mais tu vas arriver, euh, voilà, encore un tour pour arriver, quoi, en passant tout le temps vers ça, quoi. Je vais quand même sortir mon arbalète. C'est une toute petite arbalète, mmh. c'est un truc. Tu euh, peux, bien sûr. Mini, ouais, ouais j'avais déduit que c'était celle de... Que c'était celle de, de poing. C'est ça. C'est une arbalète légère, c'est un tout petit truc. Ouais. Donc, euh, Cave, elle, elle est surtout, donc elle va directement sur un des... Elle, elle fait son mouvement pour finir sur l'estrade et attaquer un des... un des voleurs. Donc, elle est avec le... Tu vois qu'elle attaque avec son bâton, quoi. Elle fonce dessus, elle, elle, met, elle met un grand coup de bâton. Alors. Non. Bum tu vois qu'elle tape sur son, son truc, ça a le peine juste, il, il s'est rendu compte qu'elle était là, mais ça n'a rien fait, quoi. Donc, ça, c'est fait. À eux. Donc eux, c'est facile. Attends, je tire pour les deux. Qu'est-ce qu'ils font ils, essaient, ils attaquent pour tuer ouais. ou Qu'est-ce qu'ils font Ils essaient de... Ah, bah, tu sais pas, et, uh, tu sais pas si tu pour tuer, as la fumée non, qui commence à qu ils arriver. Tu et... Sin uh, Prosper ou essayer de lui prendre le coffret Qu'est-ce qu'il. Bah, c'est le premier, il a mis un grand coup d'épée à Sim, okay. donc tu vois pas s'il a mis un truc pour tuer ou sur le plat, mais il a mis un, il a mis un, un coup à Sim et l'autre, il est, il est en train de charger les, toutes les pièces dans le, dans le petit coffret et euh, et c'est ce qu'il fait dans son tour quoi. Et comme j'ai fait que bouger, je peux lui tirer une, un carreau d'arbalète celui qui essaie de, de se barrer avec les pierres ou c'était tout, c'était tout non, tout de... avec la c'était tout en action, hein. tout en bouger, de sortir ton truc. Hein. Ok. Donc les gardes ils ont hurlé ils ont dit ça donc là il y a tout le monde il y a la foule qui essaie de se barrer il y a la fumée qui se propage donc à partir de maintenant il y aura il a un désavantage pour les actions visuelles quoi qui décide de voir même pour même pour taper tout ça quoi il y a vraiment de la pièce il y a de la fumée partout et les gardes il faut faire un jet de perception les gardes ils voient que le feu et la et la fumée donc nouveau round à toi est-ce que c'est plus facile d'aller en direction de la sortie La sortie par laquelle les, les deux voleurs sont rentrés Plutôt que d'essayer d'aller vers le centre de l'arène euh... ben Là, tu es descendu, tu es en bas, donc là, tu au pied de l'estrade maintenant. Okay. Donc, tu l'estrade avec le sort de petit euh, promontoire qui servait un peu à taper sur le cou, et puis une sorte de petite table où il y, y avait les gemmes. Et donc, là, il y, euh, y a un voleur qui est derrière cette table-là en train de finir, qui a fini de fermer le coffre. Et derrière le promontoire, il y a le corps de Sim, le bandit et euh, Cave qui a le bâton qui a ça. Et après, de chaque côté de l'estrade, il y a la fin de la tente qui permet de sortir. Ok. Et eux, ils sont rentrés de quel côté les, Ils sont arrivés chacun arrivé d'un côté. Ah d'accord. Moi, c'est pas pratique. Alors. En fait, je, je finis mon mouvement pour arriver d'un de côté, des côtés de la sortie et je vais lui tirer un carreau d'arbalète. Celui qui a le, les bijoux. Ok. Vas-y. Donc là, la difficulté c'est 12. Je fais 17 plus 4, 21. Ouf, sans aucun problème. Vas-y tes dégâts. 5, perforant. 5. Perforant. Est-ce qu'il lâche les bijoux Il lâche pas les bijoux. Ah, quel okay, dommage. Par contre il a une méchante cicatrice euh, qui aura du mal à, à guérir. Là où tu vas toucher. Donc ensuite c'est cave. Donc elle tape sur l'autre, elle rate. Avec son bâton, est... en fait, tu vois que Cave, elle a l'air de tapoter, de tapoter le, on va dire, appeler le bandit. Mais elle n'avait pas l'air très forte, donc euh, c'est pas grave. Ouais. <laughs> Et euh... donc ensuite c'est eux. Donc celui qui est sur le, ce qui vient de se prendre le carreau d'arbalète, il va foncer. Dans quelle direction Avec va? la quéquesse. À l'opposé de la de oh l'arbalète. Non, c'est dégueulasse. Euh... Déjà, <laughs> il m'a pas vu venir. Il sait pas d'où le, le carreau d'arbalète est arrivé. C'est dégueulasse. Bah, il a senti par où est arrivé le carreau. Hein. Il s'est bême même qui donc il fonce de, de l'autre côté. Et en fait, c'est logique parce que il fonce du du côté opposé par lequel il est arrivé. Donc ça reste cohérent par rapport à la tactique qu'il savait anticipée. Et donc là, il fonce. Il est au... Donc là avec ce qu'il vient de faire, il y a, à son mouvement, il y a, il, y a, la, il y a la sortie quoi. Donc au tour suivant il faudra. Bah ben, il faudra en dehors de l'attente quoi. Ou perdre ou perdre. Mais il y, Cave, il y a Cave qui va agir après, au prochain tour. Mais Sim il est comment Parce que. Sim, il est au sol. Et le deuxième, qui s'est retourné vers Cave et qui a essayé de lui mettre un coup pour la pousser. Mais en fait, il a. Il a tapé, mais euh, ça fait rien. Enfin, en tout cas, tu vois que ça s'est pris dans le bâton et il n'a pas réussi à déclencher ça à la pousser euh, de son chemin, quoi. Nouveau round. Mais nouveau round, euh, je rejoins l'autre, celui qui s'enfuit. Est-ce que c'est tout mon mouvement C'est mon mouvement normal, mon mouvement double C'est quoi C'est ton mouvement double pour y arriver sur lui. Ok, ben, j'arrive sur lui. Ok. Euh. Donc lui, il aura son mouvement derrière. Et il se... Donc aussi c'est cave, donc elle, elle avait avec son bâton et son allonge, elle doit pouvoir le, le taper. Elle peut changer de... de cible. Donc elle va tenter de le taper. Allez, allez, allez. Évident. Donc tu vois que le bâton, il y a un bâton qui passe à côté de toi. <laughs> je passe la tête. Elle passe en, il passe, il veut le C'est ça. <laughs> euh, je sais pas si c'est toi qu'elle visait ou si c'est truc, mais ça, ça a raté. Euh, donc, euh, oh, voilà. donc, celui qui a la caisse, ben, il, il, passe la, il passe la porte. Et eh bien oui, Mais il va prendre une attaque d'opportunité parce qu'il m'a ignoré. Et je oui, tout à fait. Allez. oui, oui. Vas-y. Donc c'est 12. 21. Un <laughs> Avec un 20 critique Non, 17 plus euh, 4. Donc euh, tu réussis euh, l'attaque d'opportunité, vas-y. 7 de plus. Ouf. Donc il s'effondre. <laughs> tu vois que tu as. As, au moment monte à. C'est quoi que tu te tapes C'est une épée course, une dague Non, c'est l'arbalète Ah, t'as eu le temps de recharger Ouais, tu peux charger tous les rounds une arbalète. Ah, ok. Ouais. Donc en fait, t'étais à bout portant et tu l'as posé dessus et. Bah, il là, il m'a évité. C'est surtout ça, c'est qu'il me regardait pas, quoi. Ouais, ouais, donc là, ça... il avait déjà une, une épine dans le dos et là, il est il... en train il... qui... Vas-y, fais-moi un petit D20. Dé... Ah, oui. Euh, 19. Je sais pas ce que ça veut dire, mais 19. Donc euh, là. Attends, parce que l'autre l'avait. 19, on est sur les valeurs hautes. Juste deux secondes. Euh... Euh... bon, non, c'est pas très cohérent. Non, mais donc il, il s'étole et... Qu'est-ce qui se passe à 19? Non, c'est pas cohérent avec le truc de, qui est marqué. Donc sur, euh, donc à 19, et, euh, donc, il chute et donc il y a la, il y a la, il y a la caisse qui roule, qui tombe devant et qui roule de, euh, enfin qui roule, qui, qui rebondit entre guillemets. Et c'est le c'est ce qu'elle va s'ouvrir, mais non, elle ne s'ouvre pas. Euh... Je me jette dessus. Tu peux pas, parce que as, tu as déjà fait ton mouvement et elle te fait l'attaque d'opportunité, donc euh, ça sera ton prochain tour. Donc lui, c'était lui qui s'est déplacé et qui a fait son mouvement. Donc l'autre il avait pas agi, donc l'autre qui essaye de... qui voit son copain tomber et qui était sur euh, Cave avec ça. Donc euh... Euh, donc il va essayer d'aider. Se... Non, lui, il va essayer d'être pas. Il va se désengager. Donc il se désengage du combat avec Cave pour euh, pour arriver vers toi. Mmh. Donc comme ça il fait son mouvement et son action Donc il prend pas l'attaque d'opportunité Il sera sur toi au trou suivant C'est cohérent Ouais tout à fait euh, Ok donc ça c'est fait Donc c'est toi alors, nouveau round euh, Donc est-ce qu'il lui il est sur moi Oui <laughs> il y en a qui est sous toi au sol mmh. Avec la, quelques mètres devant lui La, la caisse euh, qui a roulé Donc qui est en dehors de l'étale de hein. voilà. Et il euh, y a celui qui est sur toi ouais. Et donc euh, Je vais faire euh... Deux choses, euh, je vais rattraper, je vais attraper la caisse, je vais la prendre en main, et ensuite je vais désengager et faire la moitié de mon mouvement pour m'éloigner. Et je vais, en même temps, je vais crier « Arrêtez-le Il viole la sécurité des tops. » Parce que on est sous le, sur le territoire des tops, donc si, si il attaque, c'est que la mafia, mmh. il, il est pas avec la mafia. Donc, euh, et je le crie assez fort pour que pour que ça attire les gens. Très bien donc cave euh, donc cave c'est quand même d'arriver au moins à toucher au moins une fois je change de dé, parce que c'est peut-être que le dé qui est pas bon hein. c'est le bâton elle devrait changer le bâton le <laughs> bâton c'est pareil Et non mais non, je j'ai pas fait un lancer de dé en dessous de 10 mais ça arrive dit... j'ai fait que des dés fais, les... pas... fais ça pour les méchants fait pas ça pour les, euh, pour les mais non mais je fais ça pour les gentils là. enfin c'est faux c'est pas une gentille en fait euh, donc euh, bon euh, pareil ça, ça marche pas euh... Donc c'est à lui. Mmh. Donc toi t'as hurlé ça. Donc là tu vois qu'il se met à foncer dans la foule et il disparaît. Enfin ça si vous faites quelque chose. Donc là c'est à toi. Eh ben je re rentre. Du coup euh, je re rentre pour aller euh, pour euh, Sim Prosper. Ok. Euh... Je me couvre. Je me couvre. Le, de, de me couvrir le visage sans. De, de, je sais pas de ma main ou quelque chose pour essayer de mmh. D'être moins affecté, et je me... je me dirige vers le centre de l'estrade pour voir si. Ben, déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de Sim Prosper Ou il, tout... il est tendu au sol euh... Il est tendu au sol pour l'instant. Il n'y a personne et, qui euh, s'occupe en fait, euh... ben Là, ce qui s'est passé, c'est que les gardes sont occupés de. Enfin, que les gens sont évacués, donc là, la plupart des gens sont partis. Ils ont essayé de. Ils ont appelé pour le feu, et donc là, ils étaient sur les. Le truc qui dégageait la, la fumée, là, essayé de, les... de les camoufler, donc ils ont posé des de gros vêtements dessus, et donc. Euh la fumée va commencer à se, à se dissiper. Et donc, euh, voilà, pour l'instant, mais il y a toujours l'attente qui, qui, qui prend de plus en plus feu, donc vous allez tous être... Donc c'est ça, donc je... En fait, je vais chercher Sim Prosper prospère, et je vais le, le faire sortir. Et si en même temps, je peux... Sans qu'il s'en rende... Il est inconscient Totalement inconscient Ouais, il est inconscient. si je peux S'il a quelque chose sur lui, style une bague ou une amulette, un truc qui est facilement cachable, que je puisse euh, prendre et... Et, euh, et avaler par exemple, <laughs> comme je faisais quand j'étais quand je volais dans les rues euh, en Syrie. Donc c'est une bague, c'est un truc qui, qui a l'air soit magique, soit qui a de la valeur. Et puis je l'avale et, et puis je le je le, je le fais sortir euh, de manière discrète. Donc tout ça c'est un peu c'est escamotage ça. Que tu veux que tu veux. Ouais escamotage. C'est pas ma spécialité donc. Euh... 18 et 2, 20. Pouf. Bon, c'est bon, t'arrives à lui prendre une des bagues. Euh, mais j'essaie de trouver un truc qui, le, qui, qui ouais. a l'air le plus euh, le plus important. style euh, Parce que c'est un marchand de magie, qui doit en avoir des objets magiques, lui. Mm. Le truc qui m'a l'air, étant donné que j'y connais en, en magie, le truc qui a l'air euh, le plus important, mais petit, style une amulette ou une bague, et je l'avale, un anneau, je l'avale. Euh, ou je le mets sous ma langue. Tiens, non, plutôt je le mets sous ma langue et puis ensuite je l'évacue quand même hein, le gars hein. le but c'est de lui sauver la vie quand même hein. c'est pas juste euh, c'est pas juste okay. se détrousser fais moi juste un jet d'arcane. 17 plus euh, 5 22 ok en fait, je non en fait je l'avale non en fait je l'avale parce que comme, comme j'ai les connaissances d'anatomie je sais que je, j'en ferai caca à un moment ou à un autre donc, euh, <laughs> donc je l'avale je l'avale parce que sinon si je l'ai dans la bouche Attends. ça va m'empêcher de parler ça va l'air suspicieux -tu, tu fais ça discrètement ben oui, puisque j'ai réussi mon thèse. Par rapport à Cave, je veux dire. Ah oui, dans oui, le oui, 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 oui. De oui. toute façon, il y a la fumée. Dans Cave, elle n'est pas à côté de moi, dans la fumée. Euh, ben là, où vous êtes à côté, t'es revenu vers Prosper et euh, là aussi. Hein. Oui, je fais ça discrètement. Ou j'ai dit non, euh, 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 allez-y, allez, euh, vas vas-y, vas-y, bouge-toi, tu vas brûler. Tu vois, j'ai fait. Elle, essayé de la elle fait un désavantage sur la perception. Ok, bon, c'est bon. Euh, elle n'a rien vu. Euh, ok, donc euh, vous sortez, vous sortez euh, truc de la tente qui, qui prend feu, c'est ça Ouais. c'est ça. Et ensuite, oui, j'essaie de des... le soigner pour pas qu'il en meurt, s'il est pas mort. Okay. Je vais mettre ça après tout. Donc en même temps que tu fais ça, tu vois qu'il y a des gens autour qui arrivent avec une sorte de seau et qui jettent sur, sur la toile pour que ça s'éteigne. Tu vois en même temps que, la, en fait, à l'entrée par laquelle vous êtes sorti, il, il y avait aussi le corps d'un garde, euh, comme ceux que vous avez vu entrer, quoi, ah, merde, qui, tu était, qui était au sol. Tu sais pas s'il t'es tué, mais il est au sol, en tout cas. Ouais. Et, euh, donc tu peux faire son état. Euh, en fait, il est apparemment, il a été, il, il a une légère coupe, mais en fait, c'est plus, euh, il a été assommé, quoi. Ils ont mis un, il a tapé avec le plat de, avec le plat de l'arme, de, de quoi. Donc, est-ce qu'il est, qu est en danger? Euh, non. Il va pas mourir. Enfin, il va, si tu le soignes, il va se remettre, il va être stabilisé, quoi. Ouais, je vais le soigner. Peut-être lui donner des sels pour qu'il se réveille. Et s'il arrive plus ou moins à se réveiller Je dirais à caf de le garder Et j'irai m'occuper de l'autre garde Ok Donc vas-y fais ton petit jet de médecine 11 plus euh, 5 16 Pas de problème Donc euh, effectivement il était inconscient par le choc Et l'émotion et tout ça quoi Donc euh, t'as as, pu le... truc, Donc il reprend, euh, il reprend conscience quoi Comateux entre guillemets mais conscient Et donc après tu vas à l'autre garde Ouais et tu vois que c'est Donc c'est pareil Quelqu'un qui a été assommé parce qu'il respire il a sommé. Oh, ben, j'essaie je, je, quand même de le, de le réveiller aussi. Vas-y. Voilà, c'est moins bien. <laughs> 4 plus 5, 9. 9. Ouais, ça va pas très euh, Tu vois que lorsqu'il a pris une grosse bosse ou un truc comme ça, ça arrive pas bien. le. En fait, ça va le faire, mais un peu plus longtemps quand ouais. tu sais pas si c'est toi parce que tu aurais préparé ou juste parce que. Non, <laughs> non, il a pris un plus gros. Ça coup, va y arriver, quoi. Ouais. ouais. Euh, donc, euh, ben, on se passe que. Hop, on enchaîne un peu. Et quand la le... promotion finie, finit, je ramène les bijoux, la, le coffret à Sim Prosper quand même, parce que... Mm. Et je lui dis, ben... Je suis prêt pour la transaction. <laughs> Donc tu vois qu'il fait, ah oui, oui, la transaction, tout à fait. Euh, on va faire ça co comme il faut, euh, pas de problème. Donc, euh... Vous allez bien je, 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 je vous ai regardé, il n'y a pas... Je vous ai sauvé la vie, mais ne euh, vous inquiétez pas, vous allez vous, allez vous en remettre. D'ailleurs, il va faire un jet de perception, voir s'il se rend compte qu'il a, avec un désavantage, savoir s'il a perdu ce. Son... oh Bon, il se rend compte qu'il a perdu, avec des avantages, pardon, avec des avantages. Euh. Bon, alors... Et, euh... Et donc, il dit, oui, oui, on va faire ça, donc ça oui, finissons les affaires, euh, laissons-les s'occuper, euh, il faut que je me reposer après dans ma truc. c'est. Oh là, là là Oh là 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 donc, hein. Tu vois, effectivement, finalement, il y a des gens qui viennent éteindre le, le feu, il y a des gardes qui arrivent, qu'est-ce qui se passe Donc, il y a ceux qui étaient assommés, celui que vous avez séché au sol qui est. Qui est embarqué entre guillemets. Il euh, y a quelqu'un qui va bah, lui remercie. Euh, notre garde, merci d'avoir d'avoir Eddy, euh, euh, c'est très bien et tout. Euh, vous faites la transaction, donc après, bah, je sais pas si vous faites chose, mais sinon, on, en gros, vous finissez. Mais j'essaie de, de voir s'il si va me payer un rabais quand même parce que je lui ai sauvé la vie à ce gars-là. Il allait brûler tout seul dans la tente. Il <laughs> euh, bah, faut que tu me fasses un petit jet de. Tu vas voir un avantage. Persuasion. Euh, c'est quoi Négociation Persuasion Il n'y a pas de négociation dans ce jeu. Non, bah donc euh, persuasion. Alors. De toute façon, je suis pas J'essaye, hein. Au pire, je paierai le Avantage, de... ouais. 13 plus 2, 15. Oh, bah c'est bien, 15. C'est bon, ouais, tu réussis. Donc euh, il te fait un rabais, quoi. Euh, euh, ils ont te faire euh, 10... Ouais, 10%. Allez. Ce qui est déjà bien, quand même. 10% sur un truc à 2000, ça fait quand même 200 pièces d'or d'économiser, quoi. Que tu rendras peut-être pas à ton maître, mais. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire qu'il me, re... qu me le rende en cash. Je vais lui donner, les... je vais lui donner le chèque en. Le chèque de 2000. <laughs> et je lui demande ouais. qu'il me rende 200 pièces d'or. En... Ou, okay. sinon, ou sinon, s'il lui reste un, des, un anneau de feuilles... Ou... Est-ce que tous les, tous les objets, ils ont été achetés Oui, tout a été vendu. Ouais. Okay. Donc, euh, à moins qu'il ait une babiole à me proposer en échange, je prendrai le reste en cash ou en, 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 en gemme. D'accord. Comme il veut. On fera ça off offline, off avec l'anneau que t'as pris, pour réfléchir à ce truc-là. Euh, et donc, te voilà l'euro-possesseur d'une caisse avec des gemmes et ça. Et euh, tu as donc laissé ton empreinte dans le quartier de la soif en ayant sauvé Sim Prosper qui se souviendra de cette aventure, plus au moins un des gangs de la top qui euh, aura bah, bénéficié tu as empêché le vol, donc c'est important. Et puis donc euh, et le rencontre avec cette cette jeune aussi euh, Et voilà. Et après vous pouvez rentrer. Et... Wouhou Yes! Oh bah c'est bien comme une première soirée de deux objets magiques. Et accomplir <laughs> la mission. Et survivre. J'ai pas pris un point de dégâts. <laughs> Même pas. Après cette belle vente aux enchères et l'action glorieuse du Fossoyeur, que va-t-il arriver Si vous voulez connaître la suite, retrouvez-nous très prochainement, abonnez-vous pour être notifié, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou notre site web un -duo -tout -attaché Net. N'hésitez pas à partager vos commentaires et encore merci, bon jeu